Et du coup, ça spawn peut-être par là. Bonjour. Je sais pas si ceux qui sont sur le serveur on avait déjà vu. C'est le premier que je vois. Ouais, non, il est fait sur le terrain, il est gentil. Qui veut un ptera poilu? Oh, niveau 20, ça va être insupportable. Il va faire 3 mètres et il va faire pose au stam. Et si on en voit un avec un meilleur niveau? On le tame. Non, il a vraiment un niveau trop pourri. S'il est chabot niveau 150, ça devrait spawn comme ça tout de suite. Parce que je le demande. C'est mon serveur, je fais un gros chameau. Non mais je blague, mais non, bah s'il faut plusieurs jours, ça mettra plusieurs jours à en trouver un, bah voilà. Puis ça va être une femelle et on n'aura toujours pas de mâle, on la prendra quand même, hein, bien sûr. Le gerboa, ça sert à rien. Ou alors un ptera niveau 20, ça sert à rien non plus, hein. Techniquement, ça sert à rien non plus. Les gerboas, ça sert à décorer. C'est mignon. Alors faut qu'on le retrouve hein, par contre. Hein. Et qu'on l'endort sans le tuer, parce que niveau 20... Il va moyennement aimer les flèches dans le cul. Bon, on repasse devant chez l'autre. Bobo, qu'est-ce que tu as? Viens. Bah oui, viens. Quoi encore? Quoi? Mais viens. Je sais pas si vous l'entendez gueuler. Je sais pas ce qu'il a. Je sais pas ce qu'il a en ce moment. Allez, viens. Fais pas prier. Voilà, on tame Bobo. Et Bobo, ça va, il est pas trop dur à tamer. Trois bonbons et puis c'est fini. On a d'autres bobos. Alors, par contre, va falloir m'aider un peu si vous reconnaissez les lieux parce que moi je sais plus où il était. C'est qui m'attaque? Ça vous fait un peu d'ASMR en attendant. Mais je sais plus du tout où il était. Bon, la prochaine fois que vous me dites table, je vous écouterai. Mais je pensais pas que c'était aussi rare. Moi, je pensais qu'on allait en trouver chez tout le monde. Alors, si Ganos en a pas. Le roi du live est présent, prosternez-vous. Ben voilà, on a trop chaud. Impeccable. Bon, maître Bobo, mollo quand même avec le micro. Terrain rouge. Attends, vas-y. Comme ça. Non, parce que tu prends tellement de place. J'ai pas envie de me foutre à poil, moi. Où est-ce qu'il était? Plus loin, je suppose. Bon, attends, parce que là on a vraiment chaud. Ah oui! Ah oui, il fait chaud, chaud, chaud! D'accord, ok, bah, pas de problème. Hein. On se rapprochait du bord de l'eau. Ah, là! Putain, il est là. Ok, on va le bola, hein. De toute façon, je comptais m'arrêter. Hein. Fais pas genre. Bon. Passif. Et voilà. Attends, Bobo. L'heure est grave. Si je le loupe, les gens, ils vont en avoir gros. Oh, niveau 25. J'étais cruel. Il est passé pourri. Alors, pas dans la tête. Tu vas pas apprécier si je te tire dans le cul. Nickel! Et elle moutonne. Oh mais la gueule du truc quoi. Bon bah voilà, attends, je récupère ma flèche parce que ça coûte cher. C'était mignon.
Et bah voilà, elle est où la mouette? On va venir chercher la mouette. Là, je pense que vous avez un bon ASMR bobo là. Là, je pense qu'on est pas mal. Donc voilà, on a une mouette et un Ptera niveau 25. Moi, je vous dis, là, on est équipé. Là, là, on a fini le serveur. Là, là, on est bon. Ah oui, oui, non, mais ça va être une déco. Hein. On va le poser en déco. On va faire la maison et on va le mettre en haut sur le toit en déco. Voilà. Ça sera une déco. Je pense même pas que je vais le sortir. Ah, puis il faut le ramener encore. On va le mettre dans la cryo pour le moment, au cas où on trouve rien d'autre. Et si on trouve autre chose, on le mettra en suivi sur nous. Alors par contre, le temps qu'il bouffe... Elle peut se rhabiller peut-être. Ça fait mauvais genre là. Ouais, ça va. Il a une crête rose, ouais. Fire Star Laser Rings. Un truc comme ça. Par contre, si tu manges pas plus vite, il va falloir qu'on te gaffe de B aussi. Je suis pas pris de narco avec moi. Hein. Ben, on va mettre une heure à avoir un Ptera niveau 25. Avec bienvenue. ASMR Bobo, bonjour. Oh! Ah, moi, je commençais à me dire, ça va prendre du temps, on va passer notre temps ici. Ça va... Bon, bah voilà. Voilà, voilà, voilà. C'est joli. C'est différent. Donc, il y a des plumes là. Il y a des plumes là. Non, c'est différent, quoi. C'est un mâle ou une femelle? J'ai déjà oublié. Une femelle, une femelle. C'est... voilà, quoi. Plume. Starfly. Céleste. Altaï, ouais. Et du coup, il faudrait lui mettre aussi le skin étoile. Est-ce que ça va passer? Avec un E au bout? Ça? Ça passe. Ok, bon, on va le cryo pour le moment. Et si on trouve mieux à cryo, elle suivra en volant. Ah, 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 attendez, parce que j'irai la payer pour un nom. Swiffer, oh non, ah ben c'est pas pareil. Hein. Ah là on n'est pas dans le même, on n'est pas dans le même registre. Swiffer. Ah merde. Ah là c'est pas le même registre. On est dans le, c'est moins classieux. Oui c'est moins, oui bah oui, moins. C'est vrai, c'est bon. Hein, allez. On va, bah du coup, on va être gentil, on va quand même rentrer en passant par la plaine. Je vais faire une petite boucle comme ça pour rentrer, quand même. Puis du coup, on ira au Gerboa une autre fois. Hein. Bon, on peut y aller plus tard, de toute façon, je fais live encore pendant au moins 3 heures, donc on peut repartir un peu en explo plus tard. Ouais, non, ça lui va bien. Je suis d'accord, ça lui va bien. T'en as encore beaucoup? Oh, ça va. On lui mettra dans la gamelle en rentrant. Celui-là était trop long. Bonjour. Vous êtes perdu? C'est les poissons ici. C'est pas les brontos. Hein. Je pense que... Hein. Il est trop profond celui-là.
Allez, remonte, poisson. Pardon? Plaît-il? Mais oui, bien sûr, c'était étonnant. Ok. Bon, là, tu vas avoir assez de poissons, hein, même pour mettre dans la mangeoire. C'était surprenant. Oui, d'accord, ok, bon, on va y aller, hein, nous, parce que là. Un petit plumeau rose, voilà. Petit plumeau pour le ménage. Oh, mais il y en a plein, des poissons. Il n'y a pas des loutres? Ça ferait aussi un chouette popoï, une petite loutre. Il n'y a pas des loutres? Il y a des loutres souvent dans les lacs comme ça. Les loutres. Celle mythique de... Oh, oh la super bola! Et celle de Ptera, bah ouais. Eh! Vous avez-t-il pas vu la super bola? La super masse? Hein? Et c'est pas la classe, ça. Il manque plus que mon super fouet et on est pas mal. Bon, bah il n'y a pas l'intérieur de l'outre, par contre. Bobo, mais tu triches. T'es pour le jeu, toi. Le cri de la mouette me stresse quand elle attaque. Mais non, elle a un cri très mignon. Mais ce qu'on peut faire pour la deuxième explo, c'est cette fois-ci effectivement y aller au chameau pour... Ah bon, tu sais où on était hier, ça? Pour aller taper les autres chameaux pour nettoyer un peu, pour les faire au spawn. Oui, je suis toujours sur mes chameaux, oui. On va aller un petit peu dans la plaine quand même. Et alors? Vous voulez des bébés ou pas? Bébé chameau, c'est bien déjà. Bon, Bobo, qu'est-ce que t'en penses? T'en fous, toi. De toute façon, t'as la belle vie, toi, t'en fous. Elle est jolie, ma mouette. Comment ça, vous explorez pas en mouette? Écoutez, c'est un choix comme un autre. Ça, j'explore en mouette. Il est joli, lui. Des petits allosaures. Qu'est-ce qu'il y a comme biquette? J'ai peur, on va me tuer. Je pense qu'on va me tuer. Gamma 1, putain. Ah, ça va être sympa. Ok, d'accord. Je regarde juste, on va voir, on voit toujours si elle a... On voit toujours la stam. Oh, c'est pas... Ah oui, il fait pas nuit, donc on voit encore un tout petit peu. Si, on voit encore un petit peu. Ça va, il fait pas nuit. Il y a du métal ici, mais ça va, on en a un peu. Mais il n'y a toujours pas de... On voit... Il n'y a toujours pas de cristal sur cette map, sérieusement. Allons voir là-haut. Swiffer en expo, il va servir de croquette à carnivore. Ah ouais, non, mais Swiffer, il va faire la déco. Il va faire le ménage, déjà. Et il va faire la déco. On le gardera en déco. Si, va à gauche. Ah, 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 ah. Là-haut, peut-être. Oh, il y a encore un truc. Un truc joli, là-bas. Il y a plein des beaux argentavis. Ah oui, là, il y en a du... Il y en a du... Du piaf. J'ai trouvé une caverne à cristal dans le désert. Oh!
Ah bah, je veux bien que quand tu auras les coordonnées, je veux bien les avoir. Parce que je suis final. En fait, si je descends, je suis pas loin du désert, en fait. Je suis pas si loin, donc je pense que c'est le meilleur endroit pour moi pour aller les chercher. Ah, il y a quelqu'un qui commence à construire ici. Cherche tout en haut la statue du griffon. Cherche tout en haut la statue du griffon. Il y a une statue du griffon. C'est pas que je vois très bien là avec le gamma 1. On va survoler. Ah vache, ça va être une sacrée construction ici. Hein. Ah bah ça bosse! Ça bosse! Coucou. C'est comment coucou? Là. Et coucou! Ah bah c'est mystère! Alors, au-dessus de la fontaine. Oh, j'ai un décalage. Hein. Oh, il a un joli petit lac là, Mister. C'est pour mettre les loutres? Alors la droite, ça dépend comment t'es tourné. Ah ouais, non, ça va être sympa là-haut. Et n'empêche des requins là-haut, ça serait classe. Je suis en déplacement, mais classe. Ah, faut que j'aille. Ah, oh, merci Sargasse. Je vais les noter, je vais les prendre après parce que là je vais être trop lourd. Je vois pas la statue de Griffon. Enfin, je tarde pas à remettre les gamins, je pense que je vais pouvoir. Bon, c'est pas grave, hein, sinon on reviendra. Mais déjà, c'est une caverne de cristal dans le désert. Mais je vois pas. Et je suis aveugle, hein. Vous voyez un Griffon? Au-dessus de chez moi. Donc c'est tout au-dessus de chez Mister. Donc tout en haut. À regarder. Ok. Bon, je peux remettre les gamins? Ah bon? Parce que là on va mourir des yeux. Je pense que des... Ouf. Ça brille! Ah là il y a un griffon. Chouette! Et merci, Mister et Anton. Ah, bien, on va en prendre un petit peu, mais je peux pas me charger trop. Et on reviendra du coup. C'est où sur la map? Ok, je retrouverai pas, mais je vais noter. Cristal! Bobo, bouge pas. Hein. 65, 22. Ah! Prends ça. On va en prendre un petit peu. On va commencer à en prendre juste un petit peu. Que la mouette continue à nous porter quand même. Ah cool, on reviendra. Là, il va vraiment nous falloir un argent, ta vie. Ça c'est cool, ça peut attendre. Ça va, t'es pas trop lourde? Ça va, on peut encore voler au calme. Ça va, j'ai noté, j'ai noté. Sur mes post-it magiques. Alors, on voulait quand même jeter un œil à la plaine avant de rentrer. J'ai noté, regardez. Là, il y a ma maison en haut. En haut, c'est ma maison. Ensuite, j'avais commencé à noter aberrant, mais je n'ai pas les coordonnées de l'entrée. Par exemple, tout le sous-sol, c'est une zone aberrante. Il faudra qu'on trouve l'entrée. Et cristal. Oh, je note, je note. J'ai mes petits post-it. Niveau 25. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Miss Larabie. Un grand merci. Tum tum. Niveau 25, c'est tellement dommage. Ça vaut tellement pas le coup. Ah. Bon, on va le tamer alors.
Niveau 25, ça vaut pas tellement le coup, hein. Est-ce que ça se bola? Il y a des chances. Alors, si ça se bola, on est vraiment au calme pour le faire. Alors, attendez, on va poser la mouette. On va se poser un petit sac de couchage. Oh, il y a des éléphants là-bas. Si ça se bola, on est plutôt au calme pour le faire. Si ça se bola pas, ça va être plus rigolo. Alors, déjà, pas se louper, c'est pas mal. Tu sais pas monter? Non. Tu sais pas monter? Bah, petit chat, c'est pas dur de monter ça. Bah, mon chatounet. Par contre, il encaisse bien. Hein. Est-ce qu'il est que niveau 25, quand même? Non, tu fuis pas. Hein. Bon. Je vais pas te tuer non plus. Hein. J'ai les bonnes flèches. Oui, j'ai les bonnes flèches. C'est le Shadow Cat Porképic. Bon, dis donc. Tiens, bon, chat, ça. Alors là, franchement, c'était easy. Hein. Bah alors. Même moi, je suis presque déçue. J'ai le... J'ai toujours sur moi, hein, le mouton. Ouais. Même moi, je suis presque déçue. Comment ça, tu savais pas monter? Bon, en même temps, ça... en tout cas, ça avait l'air de ce beau-là. Donc, du coup, ça se fait. Akko, je ne voulais pas le prendre. Non, vraiment, je l'aurais pas pris. C'est parce qu'on a eu une carte. On va attendre de l'avoir avant. On va attendre qu'elle se relève. Non, non, 25, niveau 25, je l'aurais pas pris. J'aurais attendu qu'on en retrouve un plus gros level plus tard. Mais j'ai une carte, alors je la prends. Ça fera une autre déco. On va avoir des bestioles de décoration. Ah, Bobo. Ah, c'est vrai, Bobo. Tu fais plus de l'ASMR? Tu boudes? Bobo, il boude. J'ai eu une carte tamée un carnivore, donc on a tamé le carnivore qui était là. Ah, mais ça, je demande papa. Je vais l'envoyer un colis pour la petite. Et du coup, on faut qu'on... Ah oui, du coup, faut qu'on sorte... Bon, on va la sortir au dernier moment. Faut qu'on la sorte, qu'on mette le Shadow Cat dans la cryo et qu'on... Je vois où je suis en train de foutre. C'était quoi ce gros bruit? Ah! Pardon. Pardon. Bienvenue et coucou Loïc. Pardon. La carte était pour Arax. Ben oui, mais il n'y en a pas. Donc moi, j'ai tapé le carnivore que j'avais devant moi. Oh, puis il y a l'autre là-bas aussi. Attendez, je vais juste vous le montrer. Non, non, vous allez mettre une carte, je vais mourir. Non, 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 non. Je veux pas perdre ma mouette. Je savais bien que j'avais entendu un gros bruit. Relève-toi, petit chat. S'il te plaît, petit chat. C'est des dinos de mode. Je veux pas perdre ma mouette, je veux pas perdre ma mouette, je veux pas perdre ma mouette, je veux pas perdre ma mouette. Ça va, je bouge plus dans le ciel, ça va. Oh, coucou petit piou-piou. J'ai une épaule de libre encore. Je sais plus ce que ça mange par contre. Il y a un piou-piou aussi. Mais il y a un gros dinosaure moche. Non, il va pas, piou-piou, il va pas. Mais non, on va pas là-bas. Oh, je sais pas ce que ça mange. Oh, vous êtes des salauds. Mais vous êtes... Vous avez le mal en vous. Ils sont tellement mauvais. Ah, ah, ça mange quoi? Ça mange quoi? Est-ce que ça mange de la viande? Non, non, allongé, allongé, allongé. Non, non, ça mange pas de la viande.
Merde, 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 DB, 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 DB. Allez, tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Si je meurs, on perd tout, hein. Je peux pas... Ça se mange pas, ça? Ça se... Comment ça? C'est pas des... Ça se ramasse pas? Ah, ah, j'ai des baies, j'ai des baies. J'ai réussi à avoir des baies. Il est parti où, le piou? Je sais pas. Je sais pas où il est. Les carottes. Des carottes. Et les carottes. Je suis pas sûre que ça mange les carottes. Il est parti, en plus. On va essayer, mais il y a toujours le truc dans le coin, on l'entend. Putain, c'est un stress. On va peut-être tout perdre, mesdames et messieurs. C'est magnifique. On va essayer ça. Il est où? C'est le... Non, c'est le tigre qui ronfle. Oh, vache. Je suis pas là. Me regardez pas, je suis pas là. Je suis même pas là. Je suis un humain qui rampe. Oh, il se rapproche, l'autre, là-bas. Je suis désolée, je suis désolée, je suis désolée, c'est pas moi! Vite! Je pense qu'au moins j'ai sauvé ma mouette. J'ai sauvé, je l'éloigne, je m'en fous, j'ai un sac de couchage et j'ai sauvé ma mouette. On se barre, on se barre. Il y a moyen. Il y a moyen qu'on... Ah, il y a moyen qu'on survive. Bon, l'oiseau, je sais pas où il est, mais je m'en fous. Il m'a perdu? Bon, je suis pas sûr. C'est pas certain qu'il m'ait perdu. Cochon, je suis désolée. Prends l'agro. Ah, il m'a pas perdu du tout. Il mange le cochon. Il mange le cochon, il mange le cochon, il mange le cochon. Tout n'est pas encore perdu. Mort. Non, quoi? Non, je veux pas mourir. Non, c'est bon. Merci pour le coffre. Vite. Il y a moyen qu'on s'en sorte. Il y a moyen qu'on s'en sorte. Maintenant, faut retrouver la mouette. Ah, je sais, je sais. Je sais comment, comment. On avait commencé un match chicken. C'est quoi? C'est lui, là. Voilà. Track. C'est bon, ça track. C'est bon. Oh, en plus, ça va bientôt se réveiller. Mais non, mais non, mais non. Je veux pas qu'elle se réveille. Du coup, faut choper des baies. Ah, reculons. Qui crie? Qui crie? Non! Ah, là, je suis morte. Hein. Là, là. Bonjour! Je dois reculer. Du coup, vous tapez pas très fort. Tiens. Tiens. Attends, je suis con, j'aurais dû le faire avant. Voilà. C'est un Star Razortooth. Voilà. C'était un Star Razortooth. Je vais me chercher à boire. Je vais attendre 2 secondes avant de réapparaître. Sérieux, à quoi il y avait une annulation? Sérieux? Oh non! Vous blaguez? Oh merde! J'aurais pu courir! L'oiseau, il y a un oiseau là-bas, on s'en fout. On se détend, on va y arriver. Faut vite... Ma mouette, elle est où? Faut vite mettre la mouette... J'allais dire, faut mettre le deuxième sac de couchage, mais je ne l'ai plus. Ok, pose-toi là dans le coin. Bien, bien dans le coin. Pas trop quand même. Voilà. Ah oui, je l'ai ramené là. Je l'ai ramené à peu près. Ouais, voilà, va chasser là-bas. Où
qui c'est-tu là, mignon petit dinosaure? Elle va se réveiller. Oh, alors, bien, bien. Allez, 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 allez. On va déjà lui donner ça. Hein. Te réveille pas, ma cocotte, te réveille pas. Pitié. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Qui? Pourquoi? Mais c'est quoi cet endroit? Mais pourquoi on s'arrêtait pour tamer ici? Ah, parce qu'il y a une carte. Voilà, c'était ça. Merde, j'ai pas vu l'annulation, la loose. Eh non, bon, il est que niveau 20. On va arrêter de tamer des trucs niveau 1. Tu peux éviter de garder mon sac? Espèce de saloperie poilue. C'est pas moi, j'ai pas dit saloperie poilue. Je suis désolée. Je suis désolée. C'est pas vrai en fait, j'ai pas dit ça. Il est où? Oh putain, il est juste là. Sans lingots et sans. Et 50. Mais. Vous me permettez de ne pas les prendre maintenant? Oui, là-bas! C'est beau ça! Et ça s'endort cette merde ou pas? Au niveau 20, c'est pas. Non, mais j'ai pas mes flèches! Oui, c'est. Bah oui, c'est. Putain, puis elle se. Ça lui fait que dalle, bébé! Ah! D'accord, bah, je les prendrai à la maison. Hein. Ça nous fera de la récupération. Allez, vite le sac. Le problème, c'est qu'il y a la Shadow Cat qui est en train de se réveiller. Vite le sac, vite le sac, vite le sac. Il est parti? À peu près. Vite, 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 vite. Du coup, on peut reposer un sac de couchage. Tout, bah tout, 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 tout. Cassos, cassos, cassos. Mais il fait que crier. C'est stressant le merdier là. Oh, par contre, merci aux concepteurs de art qui ont mis ce truc de suivi là. Vraiment, je vous remercierai jamais assez. Vite, vite, sac de couchage là, là. Ensuite, endormir la bestiole. On va pas lui mettre une flèche dans le cul, ce serait dommage. Allez, 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 ça donne pas des narcos ça. Bon, un peu de tout. Allez. Toi, tu vas dormir, hein. Putain, il est juste à côté. Il est juste à côté et il est vénère. Après, si on l'endort, on peut le tuer. Calme. Elle a plus que 4... Ah bah tiens, prends ça avec. Te réveille pas, hein. Parce que... Si je tire dessus, il peut monter ou pas? Oh, il va monter, là. Il va me saouler. Surtout si je loupe, moi, je suis tranquille. Ah, oh, mais il y en a partout dans cette zone-là, en fait. Et il fait fuir toute la planète. C'est ça, va-t'en. Oh, c'est un bon poulet, ça. Casse-toi. Merci. Merci, merci. On va l'avoir, ce foutu Shadow. Et dans tout ça, on n'a pas eu le piou. Tu reviens pas par là. Hein. Et je crois qu'on va s'en sortir. I crack, et je crois qu'on va s'en sortir. Après, je rentre, hein, faire une petite pause à ma base. Hein, si ça vous dérange pas. Oh, bah oui, on meurt de froid maintenant. Bah oui. Bah oui. Oui. Peut-être m'habiller. Ça peut servir. Voilà, c'est mieux. Ma tête de cul, là. Ouh, ça va le faire. C'est la zone des enfers, mais j'ai l'impression. Et donc, il y en a, ils se plaignaient qu'ils survivaient pas ici. Mais qu'est-ce que vous faites dans cette zone-là? Ça devrait aller. Ça devrait passer. Ça devrait aller. Là, petit chat. Petit chat. Petit chat. Ah, du coup, faut libérer lui. Eh mais dès qu'il y a un mouvement, j'ai tellement peur. Pour prendre lui. Petit chat. Petit chat.
Suivi. On récupère ça. Ramasser. Hein. On laisse pas ses déchets. On prend Almouette. On se barre. Cassos! Oh, punaise. On va rentrer à la maison. Hein? On va rentrer à la maison, c'est-à-dire par là. Voilà. Je pense que le Ptera devrait pas avoir de mal à nous suivre parce qu'il doit aller plus vite de base, même s'il est bas levé. Eh ben, on s'en est pas si mal sorti que ça. On s'en est pas si mal sorti que ça. Hein? Peut-être on va rentrer vivant. On va craft un peu. Faut qu'on mette en place le fût de bière et tout ça. On va en vocal. On fait comment pour avoir cette version de hack c'est des modes. La map, c'est un mode. Les bestioles, c'est des modes. Faut peut-être te balader dans les modes, voir des modes qui te plaisent, voilà, pour les ajouter et tout ça. Alors, on a qui en vocal? Bon. On va aller en vocal, alors. Bonjour. Salut. Salut. Voilà. Tout va bien et vous? Ouais. C'était un peu chaud, hein. Tout va bien. C'est sympa cette petite zone. Voilà. Il y a la zone aberrante, elle est pas mal non plus. Ah, tu m'étonnes. Oh là là. Voilà, du coup on rentre avec deux niveaux, deux bestioles bas level, mais c'est pas grave. Ah, je dois chanter une comptine, bah oui, bien sûr. Qu'est-ce que je vais vous chanter de beau? C'est quoi l'alpha là-bas? Un Carnot, d'accord. Vous me faites chanter une comptine en vocal, c'est méchant ça. Pensez aux oreilles des autres un peu. Demandez d'aller en vocal et de chanter une comptine, mais vous êtes méchant avec eux cette fois. Non, non, allez. Mais il n'y a même pas d'inige pour chanter une chanson pour l'embêter. Oh. Ouais, il t'entendra. C'est laquelle qu'il aime bien, Dini? C'est les crocodiles, je crois qu'il aime bien. Ah, les crocrocro, les crocrocro, les crocodiles sur les bords d'une île, ils sont partis, n'en parlons plus. Ah, les crocrocro, les crocrocro, les crocodiles. Ah, raconte-nous une histoire. Bah oui, carrément maintenant, oui, bah ouais. Je retourne en cours. Eh bah, bon cours. Raconte-nous, qu'est-ce que je peux vous raconter? Bah, le mieux, c'est de prendre une comptine qui raconte une histoire. Ça fait les deux en même temps. Toi avec ma fille, j'en fais. Hein. Qui a créé ces foutues cartes déjà? J'étais en train de me demander la même chose, Ako. Franchement. Oh là là. Tu veux t'amener un castor? Ouais. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un 100, j'en ai un 150 dans les potes. Oh la vache! Ah ouais. Ouais, joli. Ah, avec les carottes, ça peut. Ah, par contre, je suis loin là, moi je reviens chez moi là. Déposer tout mon merdier. Ouais. Un piège rapidement, je peux te le déposer chez toi. Je vais voir si j'ai de quoi faire ça. Oui, on refera du GI, mais c'est juste que là j'ai rien à faire dessus. Et là, le nouveau serveur il me plaît bien, donc je profite. Une nasse sauvage s'en allant à la guerre, trouver en chemin quelques gros popoy. Et pas mal, hein? Pas mal du tout.
Et re des carottes. Oh bah dis, on a trouvé la maison, nickel chrome. Allons déposer tout notre merdier. Non, je sais pas où t'habites. Oh, je suis vivante. J'habite en 38, 6 à peu près. Ah mais il n'y a même pas besoin de piège. Ouais, si tu viens avec dans les pattes, ouais, ouais, je peux tirer dedans. Alors 38. 38 et 6, je suis vraiment au bord. Ok, là, j'arrive. Ça va être bien ça pour fermer. Mmh, yeah. Time flies, close your eyes. Imagine you could see everybody else's dream. What a comfort it would be.